Et un bonjour à, à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire de redevabilité de la participation citoyenne relative à la vie sur les mobilités en, en territoire peu dense, un avis que nous avons rendu en, en juillet dernier. Merci d'être présent, surtout un grand merci d'avoir participé à cette démarche que nous avions lancée à l'automne puis au printemps dernier. Donc là, l'objectif de, de ce webinaire euh, c'est de vous faire une restitution vraiment de comment on a pris en compte en fait vos, vos différentes contributions à différentes étapes de cette participation. Donc c'est pas euh, en soi le focus ne, doit, ne va pas être fait sur l'avis lui-même, bien, bien entendu on va en parler, mais plutôt sur la façon dont on a intégré en fait vos contributions dans le cadre de cet avis et euh, les suites qui, seraient, qui pourraient être données évidemment à ces contributions au-delà au-delà de l'avis pour ce qu'on qu peut en, en connaître. Donc, il s'agit d'un format webinaire. Donc, euh, c'est euh, un peu moins interactif, évidemment, que peut-être les, les, la journée délibérative ou des étapes en fait que vous avez, euh, auxquelles vous avez pu participer dans le cadre de la participation citoyenne. Néanmoins, il y a évidemment une interactivité qui est prévue. Donc, euh, vous pouvez poser vos questions, faire vos commentaires dans le chat, et euh, au fur et à mesure en fait que, que ces commentaires, que ces questions sont, sont posées. On essaiera d'y répondre dans le cadre de, de, de cette présentation. Euh, pour euh, également votre bonne information, euh, je vous précise en fait que cette réunion, ce webinaire est enregistré. Du coup, il pourra donner lieu à une, à une publication sur le site, sur le site du, du CESE. Euh, voilà, donc, euh, bon, c'est. Surtout euh, si vous mettez des, des commentaires, etc. Voilà, ça pourra apparaître dans le, la, la restitution qu'on mettra euh, in fine, sur le site, euh, sur le site du, du CESE. On a à peu près euh, une heure en fait hein, de, de réunion qui est prévue. Ça peut peut-être dépasser un petit peu, mais enfin on essaiera de ne pas, de pas excéder trop euh, ce, ce timing. Euh, voilà, donc n'hésitez surtout pas à faire des, des commentaires et, ou à poser vos questions au fur et à mesure de, de la présentation que je vais immédiatement euh, commencer. Donc euh, pour cela, nous euh, avons préparé un petit euh, diaporama. Voilà. C'est bon. J'espère que tout le monde voit bien le diaporama en ligne. Donc je rappelle très 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 rapidement la problématique qui nous a amené à traiter de cet avis. Donc le, les transports représentent en France 32% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier secteur producteur de, de ces émissions. On a deux tiers des émissions qui sont portées sur le transport de, de personnes. 87% des Français qui utilisent quotidiennement leur voiture. 96% dans les territoires peu denses qu'on a défini dans le cadre de la vie comme les territoires ruraux, mais aussi le périurbain diffus, ce qui fait qu'on a environ un Français sur deux qui vit en réalité dans ces territoires peu denses. Le coût des transports du quotidien par ménage dans ces territoires, il est supérieur à celui qu'on trouve en centre urbain, puisqu'il est supérieur même de 25%, donc assez significativement. Et on a euh, en outre 27,6% des Français, presque un tiers, euh, qui sont en situation de précarité mo mobilité, mais une nette majorité de ceux-ci qui se trouvent les, également dans les, dans les territoires les moins denses, puisque 86% des habitants des zones rurales euh, expriment une difficulté pour se déplacer dans ces, dans ces territoires. Le, ça nous a amené rapidement à, à, prévoir cet exercice de participation citoyenne qu'on a voulu assez complète sur un sujet évidemment du quotidien et qui concerne à la fois l'égalité entre les citoyens, entre les territoires et la liberté de se déplacer. Donc, une participation citoyenne qui s'est déroulée en trois étapes. Tout d'abord, une plateforme qui a été lancée à l'automne dernier, qui a réuni dans le cadre d'un questionnaire plus de 10 000 répondants, une boîte à idées avec environ 1000 propositions, un dispositif propre au département région d'outre-mer. Dans le cadre d'un partenariat avec la Poste, qui a permis d'aller vers les citoyennes et les citoyens qui se rendaient dans les bureaux de poste, avec le soutien de postiers en fait qui pouvaient administrer ce, ce questionnaire, après une campagne de communication importante avec 75 000 courriers envoyés aux au ménages, une mobilisation des facteurs, etc. Ce qui a suscité du coup une dynamique importante dans les territoires d'outre-mer autour de cette participation citoyenne. Une deuxième modalité dans le cadre d'ateliers participatifs dans les territoires. Donc, il s'agissait de relayer en réalité cette plateforme, enfin les questions posées dans le cadre de cette plateforme, mais sous le, le biais en fait de travail plus collaboratif, on peut, en petits groupes, euh, donc autour de thématiques qui étaient euh, voilà sensiblement les mêmes que celles de la plateforme, mais avec une, une approche collective et territorialisée. On a réalisé cinq ateliers qui ont réuni euh, un peu plus de 100 personnes, enfin 150 personnes. Et puis, euh, une journée délibérative donc, qui s'est produite plus tard dans la, le, la cadre de l'élaboration de l'avis, en avril, euh, avec 30 volontaires euh, choisis parmi euh, le panel de citoyennes et de citoyens qui avaient, euh, qui avaient participé. Et l'objectif de cette journée délibérative était là de vérifier sous un format collectif à la fois euh, l'opportunité, la portée concrète de pistes de préconisation qu'on avait pu identifier à ce moment-là. Dans le, au CESE, à la fois à la suite de nos auditions et à la fois évidemment à la suite de la participation citoyenne dont on avait déjà dépouillé évidemment les résultats à ce moment-là. Identifier aussi les intérêts et les freins du point de vue des citoyennes et des citoyens sur ces pistes de préconisation, enrichir ces préconisations. Ou, les, ou enrichir la motivation de ces préconisations puisque dans le cadre de la vie si vous avez parcouru euh, la vie en question vous voyez qu'il y a toujours un argumentaire qui vient évidemment étayer la préconisation qu'on fait au pouvoir public et puis enfin euh, prioriser les préconisations donc pour avoir une idée de celles qui ressortaient le plus euh, bah, avec le plus d'intérêt en fait pour les citoyennes et, et les citoyens Alors, cette participation citoyenne, quels ont été ces grands enseignements Alors, On vous a préparé quelque chose là qui est très, très, très synthétique, hein, évidemment, parce qu'on a eu un dépouillement qui était beaucoup plus détaillé. Mais dans les grandes tendances, on a euh, une, une participation euh, des, des, des citoyens, des citoyens qui confirment que les besoins essentiels, ben, c'est la première motivation des déplacements, donc notamment aller faire ses courses, accéder à des services essentiels, les services de soins, le, le lieu de travail ou l'école, le lieu de formation avec une voiture individuelle qui reste majoritairement utilisée sans surprise dans ces territoires peu denses, notamment pour des trajets domicile travail et des déplacements professionnels, mais qui se trouve également plébiscité pour de nouveaux usages, comme le covoiturage ou l'offre en libre service. Et avec aussi bon, ce qui apparaît assez, assez nettement comme l'enjeu le, évidemment de transformation aussi de la voiture individuelle avec le développement de véhicules électriques. Les autres modes de déplacement dans la partie diagnostique sont considérés dans ces zones comme peu accessibles, voire inaccessibles, alors soit en raison de leur coût, euh, mais aussi beaucoup en raison d'infrastructures qui ont été, qui sont insuffisantes. Euh, notamment, notamment pour, euh, pour le vélo et les véhicules légers, une offre insuffisante euh, aussi pour les transports collectifs dans, les, dans la partie desserte, dans la partie régularité des horaires, et puis euh, des difficultés spécifiques pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite pour accéder à ces, ces modalités de transport alternatives. Euh, voilà. Donc, tendance générale, sachant que dans les 10 000 participants qui ont répondu à cette plateforme, on a une nette majorité quand même qui était située en outre-mer du fait du dispositif de portage qui avait été élaboré en, en outre-mer, euh, et puis des spécificités un peu en métropole avec des participants. Euh, qui, euh, dans les, les conditions pour recourir à d'autres déplacements, euh, sont plutôt portées sur euh, la fréquence, la disponibilité à proximité du domicile et le coût réduit. Euh, et donc, euh, une appétence encore plus forte peut-être pour les transports euh, collectifs euh, dans, dans, dans en métropole, quand on, on, on trouve beaucoup, euh, en revanche, d'attentes sur le, la qualité des infrastructures euh, en Outre-mer. Les propositions qui étaient la deuxième partie du questionnaire, elles concernent principalement la catégorie des transports en commun, donc transports collectifs, plus particulièrement leur amélioration, mais aussi l'optimisation de l'offre existante et le développement de services numériques en lien avec ces transports collectifs, ainsi que le renforcement de leur accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, avec la création de services pour les seniors, l'harmonisation des tarifications, etc. On a aussi de nombreuses attentes, et c'est le deuxième item qui, a, qui intervient dans la partie proposition concernant la mise en place d'infrastructures cyclables. Euh, alors je dirais cyclables, là aussi au sens large, hein, parce qu'on a beaucoup évidemment de propositions vraiment pour le vélo, le réseau des pistes cyclables, mais aussi des attentes pour euh, une infrastructure plus dédiée ou plus adaptée en tout cas à des véhicules plus légers. Et puis euh, des aides financières aussi en lien avec euh, ces mobilités douces ou ces mobilités plus légères au sens large. Euh, et enfin, des attentes concernant les infrastructures routières qui, qui doivent être adaptées euh, à ces nouveaux enjeux que sont euh, la multimodalité avec euh, aussi le développement de places de stationnement et l'amélioration évidemment de la sécurité, euh, de la sécurité routière. Les grands enseignements des ateliers relais, je vais pas y revenir euh, très euh, trop longuement parce qu'en fait elles ont confirmé pour beaucoup en fait les tendances qu'on a relevées dans le cadre du questionnaire. Donc on retrouve évidemment ces tendances sur le covoiturage, sur l'utilisation des transports collectifs sur euh, plus, plus de mutualisation et puis aussi un véhicule plus léger en fait qui est aussi une appétence assez forte. Donc à partir de ce bilan de participation, on a essayé d'échafauder des pistes de préconisation qui ont donné lieu aux préconisations finalement définitives. Je vais les présenter très très rapidement pour pouvoir venir plus tôt à la partie enrichissement et comment la participation citoyenne a permis une deuxième lame, je dirais, pour améliorer en fait ces préconisations. Donc on les avait structurées autour de trois axes. Alors un premier axe qu'on a appelé les conditions qui permettent de réussir la transition vers une plus grande sobriété des usages. En réalité, c'est plutôt les mesures d'accompagnement en fait du changement. Un deuxième axe qui était plutôt autour du rapprochement de la décision, donc euh, le renforcement de l'organisation des mobilités euh, en proximité, avec un territoire intercommunal qui est remis au centre, puis une gouvernance plus inclusive aussi de ces de ces décisions autour des mobilités, et enfin un troisième axe qui portait sur euh, l'attractivité euh, des, des territoires, et donc euh, qui était plutôt comment on réinvestit en fait dans les territoires pour travailler à la fois leur attractivité par des transports collectifs adaptés notamment, puisqu'il y avait une forte attente sur les transports collectifs. Ces trois axes donc, ont donné lieu à à 16 préconisations. Vous voyez que parmi les 16 préconisations, celles qui sont mentionnées avec un petit logo, euh, en fait, sont celles qui qu'on considère comme les plus fortement connectées à la participation citoyenne, soit parce qu'elles ont donné lieu à des enrichissements, soit parce qu'elles ont donné lieu à un fort assentiment des citoyennes et des citoyens dans le cadre, dans le cadre de la journée délibérative, et pour certaines d'entre elles, à des enrichissements qu'on a pu porter après en commission et qui ont été retenus dans le cadre de l'avis. Euh, donc, euh, on a une dizaine de préconisations en réalité sur les 16 préco, en fait, qui sont, qui se retrouvent euh, comme, comme, directement connectées à la participation citoyenne, enfin, très fortement. Euh, la première, en fait, euh, qui concerne la concrétisation d'un droit à la mobilité dans les codes de l'urbanisme et des transports. Donc, c'est vraiment comment on change de logiciel en, en matière d'aménagement du territoire. La promotion d'un changement de modèle des usages de la route et de la socialisation de la route. Donc, comment on utilise un réseau routier qui est quand même hyper dense en France et donc qui, qui, qui présente une forte opportunité pour pouvoir mettre les bons flux sur les bons itinéraires et sécuriser ainsi différents niveaux de circulation avec des véhicules plus légers sur des itinéraires dédiés et des véhicules plus lourds peut-être sur d'autres itinéraires notamment, mais avec aussi une évolution de la réglementation, de la formation. Donc, ça, tout ça se retrouve dans les préconisations. 2 et 3, euh, celle sur la socialisation de la route dans la préconisation numéro 2, qui a été aussi fortement plébiscitée dans le cadre de la participation citoyenne et qui a donné lieu à des, à des enrichissements. Euh, compenser l'inégalité euh, grâce à un forfait mobilité durable citoyen. Donc là, c'est vraiment euh, un package d'aide pour les citoyennes et les citoyens des territoires peu denses qui ciblerait le changement d'usage. Ça euh, a été l'objet de la préconisation 4. Les conditions d'une transition juste euh, avec des mesures d'accompagnement, notamment euh, pour les territoires qui sont en périphérie des zones euh, à faible émission, euh, donc par le biais de carburants alternatifs, d'aides, etc. Donc, tout ça euh, était déployé dans les préconisations 5 et 6. dont l'une des deux a donné lieu aussi à des, à des enrichissements importants dans le cadre de la participation citoyenne. Et puis, euh, l'accompagnement du changement grâce à un réseau structuré euh, d'ambassadeurs, donc ambassadeurs des mobilités pour à la fois sensibiliser, former, apporter du conseil, euh, avoir une animation territoriale des mobilités, notamment euh, dans le cadre d'un renforcement du programme Teams hein, qui existe, mais euh, également avec une structuration aux trois niveaux euh, région, bassin de mobilité, intercommunalité ou commune. Euh, donc ça aussi, c'est une préconisation dont on a beaucoup euh, parlé dans le cadre de la participation. Et puis, euh, un élargissement du recours au transport d'utilité sociale, notamment pour les territoires peu denses, euh, qui a été en tout cas largement euh, plébiscité, en tout cas euh, si ce n'est modifié, dans le cadre de la participation citoyenne. Voilà pour le premier axe. Le deuxième axe, euh, il porte sur le renforcement euh, de, de l'organisation en proximité. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment rapprocher la décision, hein, ce que je, je disais. Donc, on, on en a moins débattu dans le cadre euh, de, la, de, la, de la journée délibérative parce qu'il s'agissait plutôt de problématiques de gouvernance. Euh, néanmoins, en fait, euh, certaines des préconisations ont, ont, ont suscité l'intérêt des citoyennes et des citoyens. Alors d'abord, il euh, y a des préconisations qui portent vraiment sur le rapprochement du terrain, comment on remet l'intercommunalité au centre, hein, c'est les préconisations numéro 9 et 11, mais aussi comment on renforce le caractère prescriptif de cette planification locale, euh, en fléchant aussi euh, la lutte contre l'isolement thématique dans le cadre de cette planification locale. Et puis, comment on réduit les inégalités territoriales en termes de ressources fiscales Donc là, c'est plutôt, euh, bah, il faut se doter de moyens pour effectivement changer de modèle. Donc, comment on adapte les conditions, notamment du versement mobilité à des territoires peu denses qui n'ont pas forcément la possibilité d'organiser des transports euh, réguliers, mais qui peuvent du coup euh, avoir besoin de ressources pour financer d'autres modalités de transport, des infrastructures recyclables euh, qui peuvent rendre des services euh, au quotidien et, et euh, contribuer au changement. C'est la préconisation numéro 12, vous voyez qu'elle a été aussi euh, plébiscitée euh, plutôt euh, dans le cadre de cette participation. Et puis euh, le travail en local aussi de l'optimisation de l'offre existante par la mutualisation des transports, avec un aspect de concertation aussi sur la sur la gestion des temps, des temps scolaires, des temps professionnels, euh, dans le cadre du d'une participation citoyenne ou d'une gouvernance plus ouverte, euh, en particulier dans le dans les, le cadre des comités des partenaires euh, qui. qui, qui on a souhaité vouloir ou s'ouvrir à tous les acteurs euh, économiques et, et sociaux, puisqu'il y a un petit déficit de la loi, euh, mais aussi, euh, voilà, vraiment dans le cadre aussi de participation citoyenne directe sur ces questions, de manière à avoir une concertation en local sur, euh, sur ces questions-là. Et puis, enfin, sur le troisième axe qui portait plutôt sur le réinvestissement, comment donc on, on a vraiment des actes forts en matière de réinvestissement décennal dans les transports collectifs pour le fameux choc d'offres dont on entend souvent parler en la matière. Que ce soit à la fois sur les infrastructures, mais aussi sur la qualité, le niveau de service, l'intermodalité, et puis le, le, le service porté aux citoyennes et aux citoyens sur l'accès, euh, finalement, au, à l'offre de mobilité, euh, à la fois par, euh, par euh, billettique unifiée, voilà, des, des aspects d'info voyageurs aussi euh, qui seraient unifiés. Bon. Et améliorer donc tout ça en fait et dans le se trouve dans les préconisations 14 15 et 17 alors avec vraiment des plans pluriannuels de finances publiques hein, qui sont importants hein, qui sont proposés dans ce cadre là avec une préconisation 14 qui porte sur ces plans qui a été euh, notamment aussi fortement euh, fortement approuvé par la participation et puis euh, également euh, une préconisation qui a qui a, qui a eu euh, tout, qu'on qu relie directement à la participation citoyenne, parce que c'est pas mal remonté, alors y compris dans les ateliers qu'on a organisés dans les territoires, comment on a un retour adapté des services, des services publics, des services essentiels de proximité, euh, notamment dans les points nodaux, mais aussi dans les villages, comment on retrouve des commerces dans ces villages, de manière à réduire la mobilité contrainte. Euh, préconisation numéro 16 qui a été, euh, qui a été aussi euh, largement, euh, largement plébiscitée. Et puis enfin une, une préconisation qui porte plutôt sur l'attractivité des métiers de transport, donc plutôt sur les dimensions sociales, euh, qui était la préconisation numéro 18 de ce troisième de ce troisième axe. Voilà, euh, j'en viens du coup à l'enrichissement des préconisations, peut-être faire un petit focus là-dessus pour montrer qu a, que dans le cadre de cette participation assez complète, on a eu cette première étape effectivement de, uh, de questionnement assez large, assez ouvert de, 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 des habitantes, des habitants. Euh, mais on n'a pas voulu se cantonner à cela, on a fait cette journée délibérative pour avoir une boucle de, itérative vraiment sur euh, ce qu'on pouvait déjà identifier dans le cadre de cette première étape. Euh, et donc, on a eu cette journée délibérative au CESE. Donc, on avait demandé aux participantes, aux participants de donner un mot à la, à la fin de, de cette journée. Vous voyez que les retours étaient plutôt positifs. On a essayé de travailler un exercice évidemment de co-construction, ce qui est toujours euh, euh, difficile, hein, mais en fait, je pense que qu'on a essayé en tout cas au maximum de pouvoir le faire dans le cadre de cette, de cette journée. Euh, et donc, euh, on a également en fait euh, demandé euh, au-delà de, de l'enrichissement et de, et de la validation de l'identification de l'opportunité, mais aussi des contraintes qui pouvaient se poser sur ces pistes de préconisation, euh, d'enrichir, mais aussi de prioriser ces préconisations. Et donc, vous voyez que celles qui sont ressorties en premier, en fait, sont les préconisations 1 et 2, donc celles qui visent le changement de logiciel un peu euh, sur, euh, sur les usages. Euh, sur l'approche d'aménagement du territoire et puis sur les usages de, de la route et également sur les aides effectivement qui peuvent accompagner ces changements d'usage et sans surprise aussi parce que c'était directement connecté finalement à ce qu'on constatait dans la première partie de la participation citoyenne le réinvestissement euh, voilà dans des, dans des dans une perspective quand même très volontariste évidemment d'investissement de, de, de la puissance publique sur euh, les transports collectifs mais je vous mets le, ce tableau, mais le diaporama sera disponible sur le site du CESE à l'issue de, de cette journée. Vous verrez que en fait, les votes concernent assez largement la plupart des préconisations qui avaient été identifiées par, par le CESE. Donc il n'y a pas vraiment de préconisations qui ont été complètement mises à l'écart. Bon, il y en a deux effectivement qui n'ont pas eu vraiment de vote, mais la plupart ont, été, ont, été, ont reçu des votes des citoyennes et des citoyens dans le cadre de cette journée délibérative. Sur l'enrichissement en fait de, des préconisations, alors, ce que je vous dis là n'est pas exhaustif, mais je, on a relevé quelques, quelques points qui se retrouvent directement en fait dans ces, dans ces préconisations. Euh, D'abord l'intégration euh, par exemple de la notion de covoiturage rémunéré, alors qu'on a traduit par covoiturage indemnisé, je crois, dans le cadre des préco, euh, mais qui se retrouve dans, les, les, dans, les, dans les, la première préconisation. La nécessité de faire évoluer euh, l'apprentissage du code de la route, qui est quelque chose qui était remonté en fonction des évolutions de réglementation euh, pour un nouveau partage de la route euh, que, le, que le CESE appelle de ses vœux dans le cadre de, de cet avis. Donc, euh, ça, c'était euh, très présent dans la préco euh, numéro 3, enfin intégré directement dans la préco numéro 3 l'accélération de la production et de l'homologation des, des véhicules intermédiaires qui fait l'objet euh, du coup de propositions euh, précises dans la préconisation numéro 6. L'importance des formations à la remise en scène des adultes et à l'usage également d'un véhicule intermédiaire, donc pas simplement le, le vélo également dans le cadre de la préconisation numéro 6 et puis euh, le et dans la préconisation numéro 3 également la mise en compte de la conversion des véhicules donc en plus de la production euh, dans le cadre de la préconisation euh, numéro euh, euh, numéro 6 également le recours à des prêts à taux zéro en fait qui n'avaient pas forcément été identifié pour financer l'usage des véhicules légers dans la même préconisation euh, l'amélioration des aides pour des bornes de rechargement rapide à domicile, c'est là où on avait identifié effectivement un, un déficit euh, on, on avait des aides mais effectivement qui est, avec un panel qui était un peu réduit ou un peu insuffisant pour se doter de bornes de rechargement rapide à domicile. donc en fait ça a été intégré aussi aux préconisations. Le déploiement de maisons des, des, de, de, des mobilités dans chaque bassin de vie qui fait, fait l'objet de la préconisation numéro 7 et puis le renforcement euh, du programme Team sur l'écomobilité inclusive pour apporter des solutions et faire évoluer les usages dans les territoires. Alors on avait évidemment envisagé le sujet des ambassadeurs de mobilité, mais ça a permis d'affiner beaucoup la, la préconisation autour de, du renforcement de ce programme qui est déjà existant et qui mériterait évidemment d'être déployé plus longuement avec des moyens peut-être supplémentaires à ceux qui sont prévus, en tout cas prolongés dans le temps. Et puis, la nécessité d'une formation théorique et pratique des élus et services administratifs sur les mobilités. Là aussi, c'est dans la partie où on préconise euh, des ambassadeurs des mobilités. Euh, ben bah oui, pensez évidemment aussi euh, à la formation pratique et théorique des élus euh, qui sont euh, les premiers en, en, en proximité, évidemment, des, des habitantes et des habitants. Ça a été une proposition euh, des citoyennes et des citoyens. Voilà pour certaines des, 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 des propositions qui, pour le coup, ont été directement, évidemment, vous pourrez le lire, intégrées dans les préconisations euh, du CESE. Je fais un focus également sur l'outre-mer parce qu'on a eu, comme je le disais, une majorité de citoyennes et de citoyens répondant en outre-mer, et donc il nous a paru opportun, dans le cadre de cet avis, de consacrer une contribution spécifique en fait aux, aux, aux enjeux de l'outre-mer. Et donc, euh, ces enjeux de l'outre-mer ont donné lieu à un travail donc, de la délégation aux outre-mer euh, du CESE sur la base des résultats de cette participation citoyenne, avec six préconisations spécifiques qui ont euh, directement été euh, tirées en, en fait de, ce qui, de ce qui remontait des tendances, euh, des tendances de la participation citoyenne en outre-mer. Et donc, euh, j'en ai mis les plus grands éléments euh, dans, dans cette slide. Euh, donc euh, il y a d'abord une question d'accès à la donnée en Outre-mer. Donc euh, ils ont porté effectivement c est, c est une question des observatoires, alors qu'on ne coupe pas forcément remonter directement des citoyennes et des citoyens, mais on a un besoin en fait de, de données. Euh, en revanche, une mise en place systématique de tarifs solidaires pour les transports en commun, c'est quelque chose qui est remonté assez fortement des citoyennes et des citoyens qui ont été consultés dans ces territoires. Euh, une spécificité pour l'outre-mer dans le cadre de la proximité qu'on veut de la décision, c'est que en, en, dans, les, dans ces départements et régions d'outre-mer, pour les autorités organisatrices des mobilités, il paraissait plus cohérent d'avoir une autorité par euh, département, région d'outre-mer, euh, de manière à, à favoriser finalement une politique vraiment très, très cohérente, sachant que, bon, euh, département, région d'outre-mer, on reste quand même en relative proximité évidemment des citoyennes et des citoyens. Euh, une ouverture à la. De la gouvernance à tous les acteurs, donc là qui est complètement conforme à hein, ce qu'on préconise plus largement pour la métropole comme pour l'outre-mer, mais avec euh, aussi euh, un focus sur la facilitation euh, des aides à la mobilité et l'encouragement au covoiturage euh, pour ces territoires. Euh, une. Euh une obligation de négocier les plans de mobilité employeur euh, qu'il faudrait rendre effective euh, notamment dans les entreprises de plus de 50 salariés dans ces territoires et avec là aussi un focus sur le transport collectif le covoiturage les mobilités douces et l'aménagement des horaires de travail qui reste un sujet parce que très souvent en fait dans ces territoires les temps de trajet sont encore plus longs qu'en métropole et donc on a vraiment un sujet spécifique sur cette question et puis euh, le remplacement systématique des flottes de bus de véhicules d'entreprise et, et l'administration d'administration par des véhicules plus propres. Donc là, on a vraiment un sujet euh, rénovation des flottes hein, vieillissantes en Outre-mer. On a aussi un sujet rénovation des infrastructures. C'est assez, assez malheureusement classique euh, dans les problématiques qu'on retrouve spécifiques à ces, à ces départements et régions d'outre-mer, et avec les infrastructures routières notamment qui se trouvent assez dégradées. Et pas forcément adapté pour les mobilités douces, euh, et donc euh, voilà, donc un, un, un gros effort à faire de ce côté-là, avec euh, une spécificité sur le sur le transport collectif qui est le développement du transport collectif paritime côtier, qui concerne évidemment beaucoup de territoires euh, de euh, de ces outre-mer. Voilà un peu pour euh, ce, qui, euh, ce qui est du, de, des sujets euh, de la prise en compte vous voyez, des différents éléments de la participation citoyenne dans le cadre de cet avis. Donc, on, après, euh, on se trouve. Euh comme vous pouvez le comprendre au CESE, dans la production d'avis qui sont consultatifs, hein, puisqu'on est un conseil, et donc on n'est pas en capacité, évidemment, de décider directement comme le Parlement ou le gouvernement. En revanche, on est en conseil des pouvoirs publics, et donc euh, tout l'enjeu, euh, euh, finalement, de l'avis, ce n'est pas tellement le vote de l'avis, donc c'est important que l'avis soit directement connecté aux enjeux des citoyennes, des citoyens, des habitants, et, et on a essayé de le faire au maximum dans le cadre de cet avis sur les mobilités. Et maintenant, évidemment, il va falloir porter en fait ces préconisations. On est d'autant plus fort pour les porter, je dirais, que, que on a, vous avez été plus de 10 000 citoyennes et citoyens à répondre et, et à participer au, au processus d'élaboration de cet avis. Mais en fait, tout reste à faire une fois que l'avis est, est, est voté. Donc, où est-ce qu'on en est en fait sur, sur ce portage de l'avis le travail, la tâche du rapporteur aussi, d'aller, euh, d'aller après valoriser et porter et, et encourager les pouvoirs publics à, à reprendre des éléments de cet avis. Alors, le gouvernement, de, de façon institutionnelle, devra faire un retour hein, de la façon dont il a, il, il, il a pris en compte, il a pris en compte l'avis du CESE, Mais sans attendre cela, évidemment, euh, le, on est actif au, au CESE pour, pour aller porter, pour aller porter des éléments. Alors, euh, tout d'abord, euh, dans les premières étapes en fait, qu'on peut constater aujourd'hui, euh, d'abord, je suis euh, très heureux de vous dire que, que j'ai été comme rapporteur intégré au comité des experts du programme Teams. Euh, bon, je n'ai pas encore malheureusement beaucoup participé, mais euh, je vais me rattraper. Euh, mais du coup, c'est très important parce que ce programme, effectivement, qui, est, qui, est, qui porte directement l'éco-mobilité inclusive, des solutions et puis des actions de sensibilisation, de formation dans, au cœur des territoires, il est un peu quand même au cœur de, de la. Accompagnement du changement hein, qu'on veut porter dans le cadre de cet avis donc avoir un suivi euh, au niveau du rapportage de la vie je crois que c'est très très précieux et donc d'ailleurs je remercie euh, les, les les réseaux qui sont à la tête euh, de teams d'avoir pu euh, proposer cette intégration euh, on a deux premiers euh, de pre on a eu de premières opportunités pour porter certains certains éléments de la vie alors d'abord le 4 octobre j'ai rencontré euh, un certain nombre de, de sénateurs sur la proposition de loi CERM, alors euh, qui porte en fait sur les RER métropolitains. Euh, ça a donné lieu à un certain nombre d'amendements, hein, beaucoup au Sénat. Donc, le projet de loi et euh, la proposition de loi a été enrichie. Il y a beaucoup de ces amendements qu'on a, euh, qu a portés par l'intermédiaire de différents groupes euh, qui sont directement issus, euh, issus de l'avis euh, sur les mobilités et certains ont pu être votés. Euh, alors, euh, donc on a, on, on a euh, ainsi pu prendre en compte, je pense, mieux dans cette, le cadre de cette proposition de loi, la question des territoires peu denses, parce que les RER métropolitains, bon, ça apporte des solutions, euh, surtout sur les territoires périurbains euh, des métropoles, mais il y a toute une question de rabattement vers ces services qui sont des services collectifs, alors de train, mais pas uniquement, hein, contrairement à ce qu'on ce qu'on peut lire de façon, de façon rapide, mais aussi des, des, des bus express, donc ça cadre bien avec le redéveloppement des transports collectifs, mais encore faut-il euh, qu'il y ait une équité fiscale sur le financement euh, des territoires peu denses sur ces services, et donc là, la proposition a été un petit peu amendée pour mieux prendre en compte cet aspect-là, euh, avec le financement du coup de solutions de rabattement vers ces transports à mettre en œuvre, pour l'instant une dizaine qui sont prévues dans le cadre de la loi, et puis également... Euh, quelque chose qui a été pris en compte, c'est l'ouverture de la gouvernance, puisqu'on euh, a un amendement qui a été, euh, qui a été voté euh, qui porte sur l'ouverture vraiment à tous les acteurs euh, associatifs, euh, organisations syndicales, donc en fait tous ceux qui n'étaient pas encore autour de la table du comité des partenaires vont s'y retrouver euh, grâce à, à, à l'amendement qui a été voté dans le cadre de cette proposition de loi, ce qui était une, une des parties de préconisation aussi qu'on portait sur l'ouverture de la gouvernance. Alors la loi n'est pas promulguée, mais en fait elle a été votée complètement au Parlement, donc on est quand même assez bien assuré sur ces sujets-là. Le 24 octobre, euh, j'ai pu présenter également l'avis devant des instances plutôt européennes, donc c'est chaque année, donc la Commission européenne et le secrétariat général aux affaires européennes euh, font un bilan euh, du plan de relance européen euh, qui, dont les fonds en fait, se trouvent réunis dans le fonds de relance euh, enfin pour la relance et la résilience, ou pour la reprise et la résilience, euh, et donc euh, qui financent notamment des projets de mobilité. Donc ça a été l'occasion pour moi de, voilà, de porter euh, à la fois ce qui était euh, évidemment déjà en cours, mais peut-être les efforts supplémentaires qu'il fallait porter pour vraiment promouvoir un, un changement de modèle, et pas oublier aussi de, de mettre l'accent sur euh, l'accompagnement du changement et, et, et le travail sur les comportements, notamment ce qui est porté par les ambassadeurs des mobilités. Dont on a besoin vraiment d'action au cœur des territoires le 26 octobre, j'ai eu l'occasion de présenter aussi l'avis à un événement CFDT, bien c'est mon organisation, donc c'était assez facile, c'était intéressant néanmoins parce qu'on avait vraiment tous les acteurs euh, euh, du transport routier pour le coup, euh, donc y compris transport collectif euh, de voyageurs routiers. Donc on avait les fédérations d'employeurs, on avait euh, euh, des patrons de grandes entreprises, notamment Transdev qui était euh, qui était présent dans cette table ronde. Euh, le ministre des Transports était également était également présent, donc euh, ça a été l'occasion euh, effectivement là aussi de porter euh, le sujet. Euh, le 8 novembre, euh, l'avis a été présenté au Salon européen des véhicules intermédiaires à Mio dans le cadre d'une table ronde avec des élus, un représentant du CRMA, euh, un représentant euh, de la Fédération des usagers euh, de bicyclettes, euh, qui je crois d'ailleurs est présent. Je aperçu qu'Étienne était présent. Je le salue au passage. Euh, et, euh, et donc, euh, le, euh, bon voilà, donc c'était l'occasion là de pour moi en fait ça. Ça m'a surtout permis de voir comment euh, il y avait déjà beaucoup d'acteurs qui, qui faisaient déjà beaucoup de choses au cœur des territoires. Euh, bon, c'est l'occasion aussi de présenter évidemment ce qu'on ce qu'on veut porter de façon transversale au CESE pour fa faciliter, je dirais, l'action de ces acteurs au, au cœur des territoires. Mais c'est sûr que le changement il sera d'abord, il viendra d'abord euh, des territoires. J'en suis persuadé. Et puis euh, en, en d'octobre à décembre, on a une opportunité aussi pour porter euh, les préconisations. Donc euh, j'essaye de le faire dans différents groupes de travail sur la stratégie française énergie climat euh, et donc là ce qu'on peut constater c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont quand même en, en lien direct avec ce qui a été préconisé qui se retrouvent dans les orientations reprises dans les groupes de travail et, et qui sont convergentes à plusieurs organisations alors je pense que toute l'idée autour de la socialisation de la route par exemple d'un hein, nouveau partage est fortement portée euh, dans le cadre de, de cette concertation alors c'est encore qu'une concertation. On espère que le bilan reprendra bien tous ces éléments-là. Et après, il y a encore une étape, c'est qu'il faut que ça se traduise dans la loi. Donc, vous voyez qu'on n'est pas arrivé. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir le porter aussi dans ces, dans ces instances. À venir, le, la remise officielle au ministre des Transports aura lieu le 9 janvier. Elle aurait pu avoir lieu peut-être un peu plus tôt, mais on a eu un ajournement, là, encore récent, très récent. Euh, et puis, euh, on va essayer de continuer à intervenir dans les territoires. Euh, la Fédération Mobine, je pense qu'il y a des représentants aussi que je salue, m'ont euh, euh, proposé de, de pouvoir intervenir dans le Bobine Tour, donc, en fait, qui est qui est euh, un cycle en fait de, de réunions, de, de, de sensibilisation, d'information euh, au cœur des territoires sur les enjeux territorialisés des, de l'écomobilité euh, inclusive. Et donc euh, bah, moi j'y participerai avec plaisir hein, parce que c'est l'engagement qu'on a pris hein, qu en tant que rapporteur euh, de pouvoir aller dans les territoires porter la vie euh, et ça peut être vrai aussi auprès des CODEV, auprès des Césaires qui peuvent aussi avoir des réflexions ou des actions sur, sur le sujet. Et puis, on est en attente encore d'audition devant les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du, et du Sénat, où pour l'instant, on n'a pas les dates, mais ça devrait se faire, je l'espère, dans les semaines qui viennent. Voilà pour la présentation. Alors, du coup, comme j'avais le diaporama en grand, je n'ai pas vu s'il y avait des questions dans le, dans le, dans le chat. Mais euh, s'il n'y en a pas, si vous voulez en poser à présent, c'est complètement ouvert. Merci Étienne pour, euh, pour ton écoute. Oui, alors en fait, on n'a on pas un accès direct, du coup, on est au mode webinaire, on n'a pas un accès direct au... Aux questions par voie orale et donc si vous voulez poser des questions ou faire des commentaires il faut que vous puissiez le faire directement dans le dans le chat oui si on a été très J'ai essayé de faire rapide pour qu'on puisse laisser le temps normalement à des oui. questions, mais, mais bon au-delà de d'ailleurs de, de, de cet exercice hein, a, euh, évidemment cet exercice il est ah wow, il ouais, y a Hélène qui ouais. oui alors euh, Oui, toujours... ouais, c'est ça alors je vais... Bonjour Hélène, bon, euh, Hélène de l'association INVD qui était euh, euh, que j'ai vu à mio en fait sur les, au salon des véhicules intermédiaires. Euh, et donc euh, alors pour répondre aux questions d'Étienne et d'Hélène et alors sur euh, Étienne oui il y aura une, une restitution prévue euh, au ministre des Transports euh, donc du coup elle est, elle est planifiée le 9 le 9 janvier. Elle aurait pu avoir lieu aujourd'hui en fait. Donc normalement, on aurait pu l'avoir ce matin. Et euh, du coup, elle a, été, elle a été reportée au 9 janvier pour des questions d'agenda du ministre. Donc euh, voilà. Donc normalement, on devrait avoir euh, l'occasion de lui présenter dans le détail euh, l'avis le 9 janvier. Euh, sur le, le rôle des Césaires, en fait, sur le, le relais des propositions euh, sur le terrain. Euh, oui, alors c'est effectivement quelque chose que... Bah, qu'on voudrait en tout cas euh, encourager. Alors, euh, euh, je dirais, on n'a on, on on aucune autorité en tant que CESE sur les CESER, hein. ce sont des partenaires en fait, mais c'est vrai que les CESER euh, ont un rôle qui est, qui est important parce qu'il est plus proche des, des enjeux du quotidien, des mobilités. Donc, ils peuvent avoir une approche beaucoup plus territorialisée sur ces enjeux-là. Euh, donc, il y a huit CESER qui ont été associés en fait à la construction de, cette, de cet avis. Je les ai pas cités. Pour, pour ne pas encombrer trop la présentation. Mais euh, donc, il y en a huit qui ont été associés, et certains euh, qui ont été des relais de la participation citoyenne. Euh, et, et donc, euh, nous, on encourage plutôt le fait que les Césaires puissent se saisir évidemment de cette question, faire de la participation citoyenne autour de cette question, relayer, euh, relayer aussi euh, les préconisations, évidemment, qu'on qu a faites. Alors, certaines des préconisations, je ne l'ai pas dit, dans, la, dans les suites de la vie ont été... Euh, Très largement intégré déjà dans un, dans un rapport du Césaire Centre-Val de Loire qui, euh, qui, a fait, euh, qui a fait un état des lieux de l'avenir euh, des territoires rur ruraux alors, pour le coup, euh, et donc avec un, un volet sur les mobilités et donc ils ont réintégré euh, beaucoup des préconisations euh, du CESE euh, adaptées à leur territoire Centre-Val de Loire c'est un Césaire qui a été très actif en fait aussi euh, justement dans le relais dans l'organisation d'ateliers participatifs. Mais euh, ce qu'il ce qui, euh, faudrait, c'est que bah, on ait un maximum de César et qu'ils puissent en parler de cette question, euh, le, du coup le, reconnecter euh, les préconisations vraiment aux enjeux de leur région, euh, dans le cadre de rapports, mais pas, mais pas seulement dans le cadre de rapports, hein, peut-être aussi en proposant effectivement d'être un relais pour organiser des participations citoyennes dans le cadre de l'expérimentation, par exemple, qu'on qu propose dans l'une des préconisations autour euh, de, de, des bassins de mobilité que les Césaires puissent être un appui peut-être pour pour l'organisation de participation citoyenne bon le CSE pourrait l'être euh, aussi euh, voilà si l'occasion se présentait mais mais vraiment on encourage ça et alors les les, les, les codevs alors il y a une journée de aussi de rencontres hein, pendant l'élaboration de l'avis entre CSE CER et codev pour essayer de resserrer ces partenariats alors là les CODEV c'est peut-être encore plus adapté à des, aux, aux, aux enjeux vraiment euh, de réalisation finalement de solutions de mobilité parce que les codev ils sont auprès de, 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 des intercos très souvent et donc c'est ben, à la fois ça peut être le lieu évidemment du re, de relais d'information donc, euh, il est possible que je puisse intervenir dans le CODEV de l'agglomération de boulogne sur mer euh, normalement au, à l'échéance de février, une proposition euh, en ce sens-là. Mais du coup, ça serait dans le cadre vraiment d'une, de, bah, d'une forme de, de colloque, vraiment de la sensibilisation, euh, voilà, organisée par le CODEV. Donc ça, c'est un premier élément. Mais les CODEV, ils peuvent aussi euh, être chargés, euh, voilà, de d'études, de diagnostics, de propositions aussi sur ces territoires-là. Donc, ils peuvent accompagner. Euh, la, des, des expérimentations de participation citoyenne à l'échelle d'un bassin de mobilité. Euh, et là aussi, nous, on, 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 voilà, on encourage plutôt ça dans la préconisation. Et ce qui serait bien, c'est que dans le cadre des partenariats qu'on continue à essayer de resserrer entre le CESE, le CESER et l'ECODEV, on puisse euh, travailler cette question pour euh, pouvoir euh, là aussi infuser euh, cela dans les territoires. Hélène, oui, Alors euh, sur, le, sur le Césaire, je te donnerai un contact euh, à Toulouse. Là, je ne l'ai pas directement, je ne peux pas te le mettre dans le chat, mais je, je vais regarder. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions Alors, euh, Par ailleurs, en fait, bon, je dis, enfin, certains d'entre vous présents ont mes coordonnées, mais pas tous. Je pense que donc, mais évidemment, euh, au-delà de, de ce webinaire de redevabilité, euh, euh, comme comme on l'a dit à la plénière, comme on le redit aujourd'hui, en fait, l'enjeu, c'est que cet avis, euh, il soit un outil pour continuer à construire euh, des solutions de mobilité dans les territoires. Et donc, moi, je suis disponible, évidemment, je reste disponible ensuite. Euh, donc, euh, si vous pouvez me, si vous voulez me contacter et que vous n'avez pas mes coordonnées, n'hésitez pas à passer, il euh, euh, ben, y a un numéro sur le site du CESE, euh, voilà, qui doit arriver soit à la commission, soit par le groupe CFDT. Et, et bien sûr, euh, je répondrai avec plaisir ou, ou me contacter par mail euh, également. Alors euh, sur le sujet euh, de la SNCF, que disent-ils de ces préconisations et que sont-ils prêts à faire en région Alors ça, c'est... <laughs> C'est une vraie question euh, sur, le, sur euh, que sont-ils prêts à faire en région. Bon, ça nous prendrait du temps, je pense, d'y répondre. Et en plus, je n'ai pas forcément tous les éléments. Mais euh, alors sur les préconisations, hein, d'une façon générale, d'abord, ils ont été largement auditionnés hein, à la SNCF. Euh, je crois qu'on a eu une audition et au moins deux entretiens avec eux. Et donc, euh, les, les, ils sont plutôt en phase avec les préconisations. Après, le, la, la difficulté à la, à la SNCF et... Euh, c'est que bah, la SNCF, c'est un grand groupe et qu'au sein même du groupe, euh, il y a des services dont le, les missions euh, sont plus ou moins ciblées sur des enjeux. Donc ceux qui traitent évidemment des petites lignes ferroviaires. Il y en a côté SNCF Réseau comme côté SNCF Voyageurs. Évidemment, ils sont encore plus preneurs des préconisations qu'on porte. Alors globalement, la SNCF est, est plutôt très positive. J'en ai échangé récemment avec, la, avec le cabinet de, de Jean-Pierre Farandou. Voilà, toutes les préconisations qui sont portées c'est des choses qui, qui correspondent à ce que voudrait faire la SNCF dans les territoires. Problématique de la SNCF, après, c'est toujours des questions de moyens et voilà. Après, c'est la gestion du paradoxe entre ce qu'elle voudrait être en termes d'outils de, co de cohésion, de cohésion sociale dans les territoires et puis les moyens qui sont évidemment limités et qui de toute façon ne se déploient pas sans avoir une concertation, un lien très fort avec les régions pour ce qui est des lignes, des petites lignes. Donc euh, donc là, ce, bah, ce qu'on qu s'était dit d'ailleurs, je crois, quand on s'était croisé, Hélène, c'est qu'il faudrait qu'on peut fasse un, un focus euh, avec les services de la SNCF concernés, peut-être, pour euh, identifier, alors là, c'est en région Occitanie, euh, les sujets euh, qui y sont, et puis voir un peu comment enfin euh, ce qu'ils ont dans les cartons euh, sur la région Occitanie ou, ou sur d'autres régions d'ailleurs, hein, d'intérêt. Pour voir comment concrètement, effectivement, ce qu'on a mis dans les préconisations peut se déployer, que ce soit sur les trains légers, ultra légers, sur la, la réouverture de lignes, utilisation des gares pour des services de proximité. Il y a beaucoup de préconisations aussi, effectivement, dont la SNCF pourrait s'en comparer. Mais pour ça, il faudrait qu'on revienne, en fait, maintenant vers eux, peut-être vers les services spécialisés, pour voir ce qui pourrait être fait. Alors, sur l'articulation avec la loi d'orientation des mobilités, euh, bah, L'articulation, elle est, elle est forte, même si on l'a pas écrit euh, comme ça effectivement euh, dans l'avis. Cet avis n'est pas un bilan euh, à proprement parler de la loi d'orientation des mobilités, mais très clairement dans les pré différentes préconisations qui sont portées, c'est une espèce de bilan d'étape où on dit, euh, on exprime en fait quelque part euh, ce que, la, ce que ce, les éléments positifs qu'a déjà posé euh, la loi d'orientation des mobilités, donc euh, la loi d'orientation des mobilités par exemple. Elle a ouvert à un moment donné le rapprochement de la décision avec euh, les, le, les interco-autorités euh, organisatrices des mobilités. Elle a traité le sujet du fait que sur l'organisation des mobilités, euh, il fallait que chaque territoire soit doté d'une autorité, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, quand ce n'est pas l'intercommunalité, c'est par exemple la région qui, qui va assurer. Euh, elle a aussi euh, ouvert un certain nombre de... De, de, de moyens, alors notamment c'est à la suite de la loi d'orientation des mobilités qui a été mise en place France Mobilité, qui a permis mis de financer des initiatives plutôt repart, qui repartent des territoires euh, et qui ont permis de financer des tas de projets autour, par exemple, du covoiturage. Euh, donc, on, on, a, on a beaucoup d'éléments en fait euh, qui, apportent, qui, qui tentent d'apporter des solutions euh, à, aux territoires peu denses dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Euh, sachant que euh, euh, la loi d'orientation des mobilités elle-même, au-delà de la boîte à outils très foisonnante en fait hein, qu'elle euh, qu constitue, avait prévu une, une espèce de bilan en fait de rapport sur euh, du coup ce qui était réellement fait dans les territoires euh, peu denses en matière de solutions de mobilité. Donc il y a un rapport gouvernemental hein, qui a été présenté au Parlement qui dit euh, voilà ce, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Donc il y a une espèce de, de bilan aussi qui a été fait. Nous, ce qu'on dit dans le cadre de cet avis, c'est qu'il ne s'agit pas évidemment de dire ce euh, ben, qu'a fait la loi d'orientation des mobilités, c'est nul et non nul. Non, le, ce qu'on dit plutôt, c'est que euh, la loi d'orientation des mobilités a, a, tracé, euh, a tracé une première, euh, une première voie. Elle n'a peut-être pas été assez loin sur un certain nombre de sujets. Elle n'a sans doute pas été assez loin, par exemple, dans le rapprochement de la décision, puisqu'on propose de rouvrir en fait, la possibilité aux intercommunalités euh, qui seraient maintenant volontaires. De, de se doter de, 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 de cette qualité d'autorité organisatrice parce que on pense que dans les territoires peu denses la proximité ben c'est en proximité qu'on qu voit le mieux les enjeux qu'on a, le qu a les meilleures solutions, propose de renforcer aussi un certain nombre d'aspects justement sur la planification des mobilités au niveau local là où, où la loi d'orientation était peut-être assez enfin, trop peu volontariste. Elle propose euh, la vie propose aussi d'aller beaucoup plus loin dans la planification des moyens donc vous voyez que sur le, le volontarisme qui est euh, qui porte sur les transports euh, sur les transports collectifs on aurait pu avoir dans la loi d'orientation des mobilités euh, euh, un, un plan d'investissement pluriannuel notamment sur les infrastructures euh, qui soient euh, qui soit, euh, beaucoup plus euh, détaillé ça a été un peu voilà euh, ça a été quand même assez synthétique et donc là il y il a, y a, y a, il y a du travail à faire enfin, finalement pour euh, redéployer des moyens et, et vraiment euh, promouvoir un changement de modèle. Sur certains, sur les aides, euh, ben, elle a introduit euh, le, la, la partie forfait mobilité durable pour les salariés, mais quand on n'est pas salarié, il ben, n'y a pas forcément de... Y a, y a, alors, il y a un panel d'aide, hein, mais il n'y a pas un forfait, en fait, euh, équivalent. Donc, c'est pour ça qu'on propose, par exemple, un forfait mobilité durable citoyen euh, avec une, 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 un focus géographique sur les territoires peu denses pour permettre, euh, pour permettre de pallier euh, à ce manque. Donc, voilà, on est plutôt dans, dans l'idée d'aller plus loin, de, ren, de renforcer certains aspects sur lesquels la loi d'orientation des mobilités soit n'a pas été, soit n'a pas été suffisamment loin, plutôt que dans une remise en cause, évidemment, euh, de, de la loi. Euh, alors, sur les plans, sur les plans climat, euh, climat locaux, euh, pour l'instant, on n'a pas vraiment de retour, en fait, hein, de, euh, de, de l'avis euh, par rapport à ces plans-là. C'est un sujet, je pense, qu'il faudra explorer euh, dans les semaines qui viennent. Euh, sur la mobilité inclusive qui passe par la prise en compte euh, du genre. Alors, effectivement, oui, ça, c'est un vrai sujet euh, sur le, enfin, qui a été euh, clairement identifié euh, dans le cadre de l'avis. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, si vous avez lu euh, l'avis, euh, euh, c'est un travail quand même de synthèse, un hein, avis du site <laughs> Donc, on n'est pas effectivement dans quelque chose qui est extrêmement détaillé, mais on a eu à la fois, alors, on a eu des auditions qui étaient particulièrement euh, fléchées euh, sur euh, sur ces, ces questions d'inclusion, notamment sur la question du genre. Euh, alors pas mal la question du genre quand même pas mal par le biais évidemment du, du coup de, de la question égalité euh, femme homme hein, c'était enfin le sujet et puis euh, et donc dans ce cadre là alors euh, au niveau de la de l'élaboration des travaux d'abord il y a eu une note de veille qui a été euh, réalisée par la par la délégation à l'égalité euh, aux droits des femmes et à l'égalité euh, qui du, du cese euh, dont on a pris en compte en fait un certain nombre d'éléments. Euh, donc parmi les éléments en fait qui ont été, euh, qui ont été repris, euh, c'est vrai qu'on on, on a, on a plusieurs euh, on a vraiment plusieurs sujets hein, parce qu'on a des sujets isolement. Alors les sujets isolement en fait euh, qui, qui touchent plus, plus les, les femmes que les hommes dans les territoires peu denses. Euh, difficultés d'accès au permis de conduire à la voiture ou à d'autres modes de déplacement est euh, traité un peu de façon synthétique euh, mais les, dans le cadre de ce qu'on propose sur la planification locale des mobilités on dit la question de l'isolement notamment en prenant en compte le genre en fait doit être euh, doit être intégré dans le cadre de ces de ces réflexions là on a eu des sujets aussi sur euh, sur la sécurité alors qui sont qui étaient beaucoup identifiés dans le cadre de la de la note de veille euh, alors qui valent euh, sécurité des personnes alors qui, qui valent pour les pour les, les femmes mais aussi peut-être pour, peut pour d'autres populations hein. euh, mais notamment euh, notamment alors euh, dans le cadre du transport euh, de personnes physiques euh, que ce soit euh, taxi VTC mais aussi dans le cadre des transports collectifs donc c'est des éléments qui ont été euh, qui ont été réintégrés euh, ensuite ce qu'on a porté aussi c'est que cette question là elle doit être d'abord beaucoup traité dans le cadre de la gouvernance, c'est-à-dire comment on a une gouvernance qui intègre complètement ces questions-là, d'où les préconisations qu'on a sur l'ouverture de la gouvernance, à la fois de façon paritaire, mais aussi aux associations qui, qui traitent de cette question de inégalité, des inégalités de genre. Donc, tout ça, en fait, normalement, devrait être pris en compte. Alors, on espère, parce qu'après, entre le principe posé dans la loi et la traduction dans, dans l'ouverture des euh, comités des partenaires, en fait, où on doit retrouver aussi euh, les associations qui portent euh, sur, euh, sur la question des inégalités de genre. Donc, voilà, Donc il y a, y, a, y a comme ça quelques points d'accroche qui, euh, qui ont été repris, mais le, le sujet est évidemment clairement identifié et il faut qu'il puisse se traduire, notamment euh, à la source. Hein. C'est-à-dire, comment on a euh, au cœur de, de, de ce qui motive, de ceux ou celles qui motivent les décisions euh, sur les mobilités dans les territoires, on a la prise en compte de tous les enjeux, notamment les questions, les questions de genre, euh, mais aussi évidemment les questions de, de handicap, les questions d'âge, etc. Comment tout ça est intégré euh, au, au, au sein de la gouvernance. Euh, je vois ensuite. Alors, oui, alors, sur le manque de connaissances des élus locaux sur la façon d'envisager euh, les, les mobilités, euh, effectivement, euh, ça aussi, c'est une question, euh, oui, alors, je constate avec le vélo. <laughs> J'espère qu'il y a quelques élus qui font le vélo donc, parmi les adhérents de, de la FUB. J'imagine que oui, quand même, mais, mais effectivement, sans doute pas tous. Mais euh, oui, ça aussi, ça a été euh, clairement identifié d'ailleurs. Euh, et c'est très récurrent d'ailleurs parce que on n'est pas les premiers à le dire, à le dire dans, la, dans, dans la vie du CESE, on a une, une vraie problématique euh, y compris sur les élus de proximité effectivement les, les élus locaux de prendre, de prendre en compte euh, des pratiques qui sont peut-être pas forcément les leurs ou de se mettre à la place d'habitantes et d'habitants qui, même s'ils sont en proximité de, ben, c'est pas forcément ceux qui voient tous les jours, ceux qui sont les plus isolés. Donc en fait, on peut avoir des vraies problématiques de, de prise en compte. Et, et donc, euh, malgré une intention de, 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 de l'élu en toute bonne foi de vouloir porter des solutions pour toutes et pour tous, euh, qui est des angles morts. Euh, D'où, euh, d'ailleurs, dans le cadre de la, de la journée délibérative, cette question de, de dire qu'il faut une formation théorique et pratique à ces sujets-là, des mobilités, des changements de pratique en termes de mobilité, y compris pour les élus locaux, y compris pour les services euh, euh, administratifs de proximité. Euh, et donc là, enfin, c'est beaucoup une question de comportement. Hein, C'est-à-dire qu'on a deux leviers pour ça. Euh, rapprocher la décision, ça, ça suffit sans doute pas. Donc euh, du coup, il faut pouvoir euh, ouvrir la gouvernance. Là encore une fois, donc euh, qui qu est vraiment plus de concertation. Alors on est tout le monde dans le comité des partenaires, mais, mais que le comité des partenaires, il est vraiment du poids. Hein, c'est aussi le renforcement du poids des partenaires qu'on a voulu porter euh, dans le cadre de la vie. Et, et en fait, euh, je l'ai pas dit, mais il y a vraiment ces deux aspects-là hein, c'est ouverture et renforcement du rôle. On dit, on parle de co-construction avec le comité des partenaires. Aujourd'hui, pour ceux qui sont dans les comités des partenaires, peut-être, euh, on n'en est pas forcément là encore aujourd'hui. On est plus en de la concertation parfois parce que c'est, voilà, il faut bien concerter. Donc on, est, on, est, on a fait le passage obligé. On n'est pas dans la co-construction parce que dit la vie, c'est les deux. Euh, on, on ouvre le comité des partenaires et on co-construit avec lui sur certains sujets. Et puis euh, l'autre aspect, c'est euh, ben, les décideurs eux-mêmes. Effectivement, il faut pouvoir les acculturer à ces pratiques, à ces usages. Donc, euh, il faut qu'on ait aussi des, des actions de formation, de sensibilisation directement en direction des élus. Voilà. Et donc, euh, bon, je pense que dans le cadre du programme Teams, il y a des choses qui sont euh, aussi, évidemment, qui embarquent les élus. Et je pense qu'on a du coup de plus en plus d'élus qui sont sensibilisés. Mais euh, je comprends qu'on puisse, notamment du côté de la FUB, se dire que ça ne va peut-être pas assez vite. <laughs> donc, c'est pour ça qu'il faut renforcer et améliorer euh, ces programmes. Ensuite, euh, oui. oui, proposer des formations par les associations d'élus, effectivement, hein, ça peut être un vecteur. pas s'il y a d'autres euh, remarques ou questions. Bien, on, on arrive à peu près au, euh, la, au bout du timing qu'on s'était donné, mais n'hésitez pas euh, encore une fois si vous, un, si vous avez encore des, des remarques ou des questions, et, et encore une fois, n'hésitez pas même après ce webinaire euh, si vous souhaitez me euh, solliciter ou nous, nous solliciter euh, après par euh, tout moyen. merci beaucoup merci beaucoup Hélène c'est enfin c'est je crois que c'est surtout un travail euh, collectif et grâce à justement tout ce que vous avez euh, fourni et et à l'engagement en fait que les que les citoyennes et les citoyens ont mis aussi dans cette dans cette participation hein, parce que c'est eux à la limite c'est son rôle donc euh, voilà. c'est même enfin c'est son rôle aussi de faire d'ouvrir la, la participation citoyenne mais si on n'a pas de citoyennes de citoyens de citoyen qui répondent ben, voilà, c'est le cœur de, je pense, de, de, de ce qu'on fait. C'est vraiment, c'est vraiment l'engagement que les citoyennes et les citoyens peuvent mettre, sur ces, en tout cas, sur ces questions du quotidien. Et on a vraiment besoin du poids, de tout le poids, en fait, que, que représente le, la participation citoyenne. Et, et je pense que, y compris vis-à-vis, -vis, évidemment, de la décision politique, c'est aussi important qu'on puisse arriver avec des avis qui sont Portée collectivement par une communauté citoyenne. Donc je, vraiment, je le dis avec euh, une grande conviction et une grande sincérité, et, et aussi, euh, euh, voilà, je vous renouvelle mes remerciements parce que, au-delà de de, de l'intérêt que ça peut avoir pour les mobilités, euh, euh, c'est bah, ça a été aussi une expérience très enrichissante pour pour moi à titre personnel. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Donc il me reste à vous, souhaiter, à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne continuation, et puis encore une fois, voilà, à votre disposition pour poursuivre en d'autres lieux, euh, voilà, sous d'autres, avec d'autres médias ces échanges. Bonne soirée à toutes et à tous.